Allô, colonel, bonjour. Ouais, bonjour, pardon. Je vous ai aperçu à l'hôpital, là. Bon, il n'y avait pas moyen de se saluer, là. Oh, s'il fallait, on s'en fout. La République est faite ouais. Comme ça. Bon, nous, on l'a accompagné à la maison d'arrêt. Oui, j'étais là, j'étais scandalisé. Oui, mais vous n'êtes pas rentré à la maison d'arrêt? Non, je suis pas rentré. Non, là, pas. Là, nous sommes dehors, là, on est en train de nettoyer. La cellule. On est en train de nettoyer la cellule, nous sommes dehors. Yeah. Nettoyer trop de poussière. On a fait venir un électricien pour refaire l'électricité. Là, il commence à pleuvoir. Le chef est là, il va se mouiller. Mais ça, c'est... Et puis, il y a eu encore un problème grave. Il avait un crochet à l'intérieur. Mais ça, c'est humilier les gens. C'est pas bien. Moi, ça m'a. Oui, oui. Il avait un crochet à l'intérieur. Un crochet. On va pour nous demander. Oui, oui. Quand il dort, il met le crochet là. Mais... Et il ferme par l'extérieur. Mais il fallait faire les trucs là normalement, il fallait faire ça avant que de le faire déplacer, parce que ça c'est comme un... Oui, c'est ça, improvisé. C'est ça. Donc le crochet, au bas, on a demandé qu'on casse le crochet, on a cassé le crochet là. Donc il est vraiment dans la sécurité maintenant. Parce qu'il pouvait dormir tranquillement. Oui. Maintenant, c'est dit que quelqu'un peut venir la nuit, ouvrir et le tuer. Donc lui, il avait un crochet à l'intérieur, quand on bloque par l'extérieur, lui bloque à l'intérieur. Mais là, bas, on a donné l'ordre. Si c'est un prisonnier, il faudrait qu'on casse ça. Il n'y a pas le droit d'avoir un crochet à l'intérieur. Donc, les parents, nous tous là, on a essayé de parler. Il y a même un qui a failli taper bas pour nous. Il a appelé les policiers. Cassez-moi ça. On a ouais. Cassé ça. Ouais, c'est pas gentil. Moi, j'ai causé aussi avec un ami qui est de la maison. Il m'a fait croire que même le général directeur n'est pas au courant. Ouais. Il n'était pas au courant de la manœuvre. C'est son adjoint. Ouais. C'est son adjoint, donc c'est vraiment compliqué. Ah, là, il y a un comme dans madame Baki qui est hospitalisé dans l'accouchement. Non, là, j'ai vu tout la pour moi, là, j'ai dit, laissez-moi tranquille. J'ai garé là, j'ai laissé-moi, foutez-moi le corps. Comme c'est des petits lieutenants de CS, on a ça. Moi, je suis au-dessus. Ah, y'a Wabi. Là, je suis revenu chercher la voiture. J'allais l'état de l'hôpital militaire. Maintenant, je monte. Hein? Tu es à l'arc, là. Je sais. Voilà, mon salon, salité, non? As-tu permission? Non, la salité. Là, il n'y a comme ça, c'est le piton. Ah, là, on va faire la course, moi, la ministère. Oh, vous voulez que je me compte? Non, alors, non, dans la carte, j'ai venu qu'à prendre un peu d'informations, on va laisser dans la réseau social. Ah, y'a Wapi. Là, je suis devant l'hôpital militaire, mais il y a une voiture dans la Tigali. Ah, bon, là, on va faire la moto, la ministère, bon. La finance. Moi, je repars encore là-bas. Je viens juste retrouver la voiture. Ah, tu veux faire l'hôpital militaire? Donc, on s'appelle, oui. D'accord. Donc moi quand je fais un signe comme ça, je coûte un rapidement, te soulever qu'à 2 minutes devant le corps de cadet. Tu vois avant le corps de cadet, là où il y a le conteneur de mon ancien. Ouais. Ouais. Là où tu as avant la pharmacie de Joël au canal. Ouais, je connais. Il y a des immeubles flamboyants. Il y a une maison. Ouais, je vois. Ouais. Donc au Zelanga, on a dans 10 minutes. Ok.